Bon, c'est pas grave, j'ai sauvegardé un peu avant. Faut que j'en tue combien des clones? Je m'en souvenais pas de ce boss, tiens. C'est officiel, j'aime pas ce boss. Ah, puis elle est là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié qu'elle était là. Elle est là, attendez, 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 on va lui envoyer ça. Tu relèves pas, s'il te plaît. Ah non, elle t'en met son bouclier. Elle va pas me lâcher là. You must die. Voilà, je l'ai eu. Merde, je suis en surchauffe. Alors que c'est pas le moment. Mais cette classe. Hop! Voilà. Nous contrôlons le périmètre. Ouais, bah merci de m'avoir aidé. Attends, je vais sauvegarder à chaque fois. Chaque fois j'avance un centimètre avec ce boss, je vais sauvegarder. Sinon je vais mettre 5 heures à le tuer. Tenez-vous prêts, il y en a qui arrivent. Voilà. Sauvegarder là. C'est pas grave, on avance. Carus qui est encore mort. Faut que je fasse gaffe parce que ça va être dans le coin. Son clone. Où est son clone? Non, ça c'est encore un serviteur. Ça va. Elle est là. Elle est là, je l'ai vue. Serviteur. Elle est là. J'ai peur d'avoir des problèmes. Oula, j'ai plus de vie. Thank you.
du clone. Vite, moi, faut que je fasse ma barrière. Est-ce que Garus va se réveiller? Je crois qu'on a gagné, commandant. Garus s'est réveillé, c'est-à-dire que je peux sauvegarder. Hop, hop, on sauvegarde. Où est son glandillon? Oh non, 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 non. C'est pas vrai, 50 millions de monstres. Première gerbouille qui sont morts. Est-ce que vous voulez bien ressusciter, s'il vous plaît? C'est le moment de payer. Putain, quel boss! Je me souvenais pas de lui, hein. Ok. Ça serait vraiment au fur et à mesure que je tire dessus. Hein. On va faire ça. C'est bien pratique l'évitation. C'est bien pratique. Toujours pas mort. Mais combien de points de vie lui reste, bordel? Avec une station médicale, il faut du soin. Y, A, A. Médigel, génial. On va se soigner. Par où est-ce qu'il faut que j'aille? Par là, je suppose. Je ne peux pas sauvegarder. Alors, je crois que j'ai un ampli. Je perds en puissance, mince. Oh, il y a encore un clone. Oh, on me l'a mis direct. Allez là. Non, ça c'est les serviteurs, ça m'intéresse pas. Merde, je me suis bloqué où là? Plus tout seul, c'est pas possible. Je me suis trompé de touche. Oh non, je suis mort. Oh. Putain, ce boss là avec cette classe là. Oh. Je ne savais pas que j'en avais autant chié avec mes premières classes. Pirater ça. Faut qu'on fasse ce passage là. Non. Ah, mais s'il passe devant moi, je le retire dessus forcément. Un fusil à pompe, Tali. Voilà.
observer? Ok, allez. Derrière toi, t'as dit plutôt. L'autre, il vole pour le moment. Tant qu'il vole, c'est pas un grand danger. Hein. Ok. Je peux pas sauvegarder, bien sûr que non. Les autres sont en haut, on le sait. Le clone Azari. Vas-y, faut qu'on le fasse péter direct. Elle est passée où? Bouclier inactif. Ah non, elle est protégée avec sa barrière, c'est vrai, mince. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Vous pouvez vous relever. À charge de ils sont morts au même endroit. Et là, je peux sauvegarder. Voilà, donc ce passage-là, j'aurais pas à le refaire. Ah, j'espère que j'ai pas encore 50 petites glandillons à détruire comme ça. Ça commence à devenir chiant, là. Non, soit la dernière, celle-là. Comment ça, c'était pas la dernière? Oh non! Et là, on se fait juste attaquer de tous les côtés possibles et inimaginables! Ah, puis il y a le clone qui est là. Est-ce qu'elle va me laisser me relever au moins? Même pas. Même pas. Elle m'a mis à terre et elle m'a enchaîné. Elle a laissé bien tous les autres venir me gerber dessus. C'est le combat le plus long et le moins épique que j'ai fait dans Mass Effect, je crois. J'aurais mis un bon coup de lance-flamme dès le début où j'aurais demandé aux Normandies de tirer dessus, il n'y a plus de colons. On risquait pas grand-chose. Suivez-moi, on va descendre. Mais hein, ce gars, c'est déjà mort. Essaye de pas mourir, Tali. Ah, il est là, l'autre. Et merde, elle a eu le temps de mettre sa putain de... il va me rester ça qui va être très puissant dans le tas. Ouais, sauf que là, je peux rien faire. Je suis bloqué dans le coin. Je peux plus reculer. J'en ai 50 sur moi. Oh là là, mais ce passage horrible avec cette classe. Horrible, horrible, horrible. Je peux rien faire, mes coéquipiers ont plus de vie. Je peux même pas reculer, prendre de la distance. Je suis bloqué au corps à corps. Qu'un pauvre flingue.
sauvegarder ici, ça m'évitera de refaire 50 fois le... le fait de détruire le... l'embout de la plante. Ça ne me dit rien qui vaille. Je peux pas les avoir d'ici. Non, parce qu'une fois que je descends, je suis bloqué. Ah non, je peux remonter peut-être. Pourquoi j'étais bloqué tout à l'heure? Pas se réveiller maintenant là. Tourne arrière. Allez où, allez où, allez où, allez où, allez là. Dégage, putain, je te déteste. Dégage, qui sert de bouclier, ça y en a plus de bouclier de Garus, il est mort. Normal là, c'est horrible en difficile. Ça y est, on l'a eu. Fou, alors je sais pas comment elle est morte l'autre. Je pense que c'est quand je l'ai poussée avec la télékinésie, ça a dû la faire tomber quelque part. Alors on va encore détruire un de ces monticules. Un glanguillon. Comment ils appellent ça? Ganglion. Non, ça fait rien du tout, j'ai pas de dégâts là. Oh non, 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 non. Mais ça va, elle a combien de clones? J'ai marre des clones là, tiens. Elle est encore morte. Rien envie. Mais genre rien de chez rien. Voilà. T'as encore niveau supérieur, mais ça fait combien de levels que je prends là? J'ai pas vu qu'il valait 44 XP des serviteurs, je sais pas combien depuis le début. Enfin elle est morte. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas un piège? Ce n'en est pas un. Le Taurien est mort et je suis de nouveau moi-même. Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine.
Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme, auquel Benezia a succombé. Donc vous avez choisi de vous allier à sa reine et la matriarche Benezia aussi. Benezia avait sous-estimé sa reine, tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Elle a essayé de manipuler sa reine, mais son plan s'est retourné contre elle. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine ? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne. Un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le Taurien. Voilà ce qu'on récolte quand on fait confiance à sa reine. Sa reine a la trahison dans la peau, et ses alliés la prennent à leurs dépens. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, il a ordonné à ses guettes de détruire le Taurien. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal, et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. Qu'est-ce que c'est que ça, l'énigma ? C'est quoi cette énigma ? Qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges, qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le Taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés, et après leur mort, assimilés. L'énigme apporte le savoir. Si je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique, un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. Vous l'avez bien transmis à sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Je veux bien, ouais, s'il te plaît. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion, imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité ! Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des protéens fait désormais partie de votre être. Qu'est-ce que c'était ? Commandant Shepard, ça va ? Ouais, ça va, t'en fais pas. J'ai vu quelque chose... Oh la vache, comment il tourne son cou ? Il vient de tourner son cou à 180. Vous avez reçu un don précieux. La mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Il vaudrait mieux retourner au vaisseau, commandant.
Vous devez vous faire examiner. Bonne idée. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vous étiez l'allié de Saren, et vous l'êtes peut-être encore. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je comprends vos doutes. Mais vous m'avez doublement libéré. Du Taurien et de Saren. Je suis de votre côté à présent. Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi. Et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Vous retournez votre veste trop souvent. Je ne peux pas vous laisser en vie. Je vois. Si vous pensez que c'est le sort que je mérite, je ne résisterai pas. C'est réglé. De toute façon, il n'y a pas de colons à sauver. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez sauvé quelques vies, c'est déjà beaucoup. Nous allons pouvoir prendre un nouveau départ. Ailleurs. Déjà de retour ? Vous avez retrouvé ma console ? J'ai retrouvé les données et je les ai téléchargées dans votre DSO. Formidable ! Merci pour tout. Je vais être payé par contrat. Vous me donnez les crédits et je me tire, point. Bien sûr ! Merci de votre aide. Combien ? 3000, 4000 ? 2400 crédits, ok. Ça me va. Ça me va.